Edouard directement qui prend ses responsabilités à la pioche. Attention avec les meufs, Tizi, hein, je te préviens. On a touché un point sensible. On parle de meufs qui tombent. Vas-y Tixi, à la pioche. Pioche-le. Donc soirée Twitch, donc certains invités nous ont expliqué qu'il fallait qu'on arrête à 23h et on a dit c'est normal, c'est la PJW. Déjà que nous on est très contents de faire cette émission. Et Gotha, honnêtement, t'as changé ton billet d'avion de retour pour faire l'émission. Ouais, on est déjà pour aller à la Paris Games Week, on a changé parce que de base on devait partir en même temps que Kin et The Vic et y aller genre mardi, mercredi, un truc comme ça. On y allait du coup samedi matin très tôt. Oui. On est arrivé, un petit peu jacuzzi avec les autres qui nous ont un peu montré tout. 25 minutes quoi. Ouais, mais voilà, après on a dormi, on okay. a fait le tournoi et on est reparti directement pour arriver à l'heure aujourd'hui, vous faire le Master Kill. Je suis complètement mort, hein, je vous le dis ce soir, moi aussi. Faut pas s'attendre. Non, mais... Là ce soir c'est le seul soir et même sur YouTube on vous le dit, s'il vous plaît soyez cool, soyez sympa. Ouais les gars, mais mettez bien la pression à celui qui sera assis là à côté de moi. Uniquement le mec qui sera là, là lui vous pouvez tout dire, tout faire, mais les trois autres on a beaucoup d'excuses. Donc s'il vous plaît soyez indulgents au moins ce soir. On va rapidement revenir, je pense. On va rapidement revenir sur l'actualité. Comme tu l'as dit, tu revenais de la TwitchCon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi tu l'as vécu et ouais, c'était bien en fait. Non, ce qui était juste chiant, bah c'est le setup. Je sais que bon, les gens aiment pas trop, ouais tu te plains tout le temps machin, mais j'ai toujours resté objectif, même si je suis invité. Je remercie Epic Games d'ailleurs de m'avoir invité, c'était vraiment cool. Ouais, en termes de setup, juste c'est un peu chiant parce que déjà c'est un setup. Ils imposent ? Souris, clavier, casque qui est imposé. Mais je comprends pas pourquoi ils imposent alors qu'on les voit même pas à l'écran. Bah, ça va être un partenaire. Je sais pas. En soi, non, c'est même pas que c'est nul, c'est juste que t'es pas habitué. Tu vois, chacun a son confort avec son setup. Ouais, c'est et c'est vrai que bah, quand tu te fais imposer ça, c'est un peu chiant. Il y avait un truc bien en soi, c'est pour pas que tu vois les écrans des autres. Okay. Mais quand t'as une petite sensi comme moi, 400 DPI, bah, en fait, moi, place. Dès que je tourne à droite, je me cogne. Donc, ouais, mais c'est que... après, c'est... faut se dire que tout le monde a les mêmes problèmes, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas vraiment le confort c'est optimal. C'est comme nous, notre Royal Rumble, quand on part en sensi max. Pour certains, c'est un énorme problème. Pour d'autres, voilà, ça va, quoi. Même si tout le monde a cette règle-là, voilà. Bah, pour c'est certains, c'est plus gênant que d'autres. Exactement. Et puis, bah, les graphismes au max, tu vois rien, t'es dans un bâtiment, j'allais lutter à le Kill Ending. Ouais, c'est tout. En fait, dis-toi, ils ont enlevé dans les réglages le réglage des graphiques. Tu pouvais plus le changer. Oh, c'est trop bien. Tu ne voyais pas. Et ils affichaient pas les FPS aussi. Dis-toi que je pense qu'on tournait à 70-80 FPS grand max, quoi. Mais t'es, donc, t'es pas sur le vrai jeu. T'es sur un. Non, ouais, t'es sur une copie du jeu. Une version miroir, quoi. Ok, ok, ok. Bah, écoute, on apprend un peu plus. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas pu suivre tes tweets ou un peu ce que t'as dit, quel résultat t'as fait sur place et. Il y a un moment marquant. Mais même ça, tu vois, genre, c'est-à-dire que on arrive sur place, ils nous disent ouais, c'est deux tournois solo, un tournoi duo avec un random entre guillemets. Alors deux games solo, une game duo. Ouais, sauf qu'en fait ça, on le sait que sur place. Avant, on pensait tous que c'était tournoi duo. Juste à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas du plus e-sport qui existe, quoi. Mais sinon, en vrai, c'est quand même un truc sympa. Tu peux gagner beaucoup de cash. Et il y a Kin qui a énormément bien perf. Oui. Il a gagné une game solo et il a bien perf aussi dans les autres games. Il a gagné genre 42 000 $, un truc comme ça. Mika aussi, il a fait une très bonne première game. Il a gagné 21 000. Moi, j'ai gagné 10 000. Et The Vic, je crois, il était vers les 8 000, 7 000, 8 000. Ça va, tout le monde. Tous les Français sont mis bien, en vrai, quand même. Okay. Dernière question avant qu'on démarre le Master Key, parce que comme on l'a dit, ce soir ça va être court, donc on va essayer d'avoir beaucoup de gameplay. Est-ce que tu vas... Attends, j'ai l'impression que je suis sur le stand là, excuse-moi, j'ai les automatismes. Tu vas aller à la PGW demain ou pas? Genre, tu donnes une question épique. Alors j'ai voulu, ouais, parce que bah, j'ai en vrai, j'ai déjà allé ce vendredi du coup. On a décalé pour. Elle a boutique, tout s'est vendu. Hein. Oui, je sais. Voilà. C'est... Non, mais j'y suis allé justement et c'était le bordel parce que je suis allé à la boutique. Ils ont failli casser le stand orange. Ce qui est pas le stand orange qui s'est cassé aujourd'hui. Cassé. Il y a, je crois. Genre, en fait, les mecs, ils arrivaient. Il y avait pourtant ma sécurité. Et en fait, à force de se pousser, etc., bah, genre, le stand, il était en train de. Ouais, vraiment. Et du coup, en fait, moi, je devais faire une heure de base là-bas. C'est parti en couille. Ils m'ont tous dit barre-toi, va au truc VIP. Donc, j'y suis parti. Donc, après une demi-heure. Et je suis redescendu un quart d'heure plus tard. Mais ils étaient en train de tout démonter. Il y avait trop de gens, c'était incroyable. En plus, il y avait Zera à côté qui faisait son show. Okay, okay. Donc, du coup, là, il y avait un effet boule de neige. Genre, c'était. Donc, et du coup, demain, j'irai peut-être. Le dernier des Vitality, il vient de signer et il est déjà avec nous. Ah, d'ailleurs, il y a eu une méga hype autour de ça. Parce que les gens s'y attendaient tellement pas. On va en reparler et du coup, il reste plus qu'à découvrir le deuxième invité. Déjà, ça va toi, Tixi? Ouais, ça va. T'as passé une bonne journée? Ouais, tranquille. C'était bien la PJW et tout? Pas chigant, mais c'était bien. Tu kiffes en vrai le contact avec le public et tout? C'était ma première par Games Week et je kiffe de ouf. Moi, c'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'en gros, vu qu'il a peu montré son visage pour le moment, à part sur la photo officielle et vite fait au Gotaga Show, les gens le reconnaissent maintenant juste à cause du maillot. Parce qu'ils sont attirés par le maillot, ils arrivent sur mode. Mais ouais, si j'ai pas le maillot, ils viennent pas. Mais bientôt, parce qu'on va te voir de plus en plus et profite parce que voilà, les gens. Mais te c'est regardent. Normal aussi parce qu'il fait ses streams, il met pas la cam. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le moment, vous vous dites, mais pourquoi ils sont bloqués sur cette caméra là? Parce que maintenant, on va découvrir le deuxième invité. Il est là, il est juste en face. Regardez, c'est. Et il a la pression. Il a la pression. Là... Ah, faut le mettre à l'aise, les gens, parce salut que il stresse depuis tout à l'heure. Arrête de stresser, Mushway. Mais t'as eu d'entrée, je me fais. Mais non, mais on rigolait. C'est parce qu'on t'aime bien. On se permet de te taquiner parce qu'on t'aime bien et parce qu'on sait que tu vas passer un bon moment. Mushway est avec nous ce quoi, soir. Dog. Le chat est en folie déjà. Regarde. J'avoue, je me chie un peu dessus. Mais, non, mais détends-toi. Il est stressé. Aidez-le. Oui, sur il est arrivé. Il nous a fait. Hey, vous dites bien que j'ai pas joué depuis une semaine. Hein. Oui. Et aussi, ouais, d'ailleurs, ce soir, les gens, petite annonce, on va jouer en 1100 x 1080 pour notre petite princesse Mushway. On va tous se mettre
on est tous là pour toi, Mush. Alors, comment ça s'est fait? C'est très très simple. Déjà, il est plus ban sur Twitch. Donc, c'est récent. On va en reparler vite fait durant les games. C'est pas le sujet principal, mais on est obligé. C'est l'actualité, on en reparlera. Et deuxièmement, parce qu'il était de passage aussi sur Paris. Par Games Week, très fatigué. Au plaisir. J'ai fait des photos, c'est tout. Ouais, bah c'est aucun déjà stand, bien. Aucun stand. Ah, mais c'était cool, première expérience. Ouais, mais toi par contre, tu stream pas mal et du coup, tu t'es montré. Du coup, il y a pas mal de gens qui t'ont. Ouais, c'était lourd. Là, si tu passes devant le stand de Epic Games, genre. Je suis limite fini. Un peu malade à force d'avoir touché des mains là. Mais... Ouais, les mains piscine, les fameuses. Ouais, mais sinon, non, c'était super bon délire, j'ai kiffé. Moi. Eh ben écoute, oh, Mushway, ça fait plaisir d'entendre ça. Et ça peut être la soirée tapin, hein, full tapin. Quand je suis. Tagota, il n'oublie pas, il pense direct aux choses. Vous êtes bientôt 80 000. Déjà, il est 20h35. Exceptionnellement, je répète, on streamera jusqu'à 23h. On pourra le Rumble démarrer vers 22h et quelques. Piste. Alors, Mushway, c'est quoi son niveau? Moi, je te connais pas assez. Est-ce que tu te situes entre Gota? Non, pas aujourd'hui. En temps normal. Aujourd'hui, c'est du dog bill. Hein. Ça, là, c'est du retour le bien instantanément. Quoi. Là, c'est du non, mais c'est un menteur. C'est un menteur. Genre, en termes, dis-toi qu'en termes de construction, un Verbal Fight, etc. J'ai vraiment ces genre, c'est lui qui entraîne Airwax. Et Airwax, c'est un des meilleurs. Ouais, c'est vrai. Non, mais de base, je te jure, de base, c'était un joueur Minecraft, tout ça, il était fort sur Minecraft. Il est connu aussi pour être un cancer. Je lui dis à chaque fois que je le vois, de toute façon, à chaque fois que je le vois. Non, ça c'est. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti, on est dans la game. Parlons-en, mais c'est le mais en construction et edit, il est très très bon. On va où? Je pense qu'on va Tilted. Mais vous êtes des fous. Ouais, je suis chaud. Jack, il nous force avec la résolution. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Gota, ce que c'est? En gros, c'est une résolution étirée. En temps normal, ça sert surtout pour ceux qui ont des petites configs, parce que du coup, en fait, il y a moins d'input lag. Parce que forcément, il y a moins de pixels, etc. Du coup, c'est plus fluide et aussi les joueurs sont plus larges sur H1, c'était énormément utilisé. Parce qu'en fait, t'avais l'impression que les têtes étaient plus grosses. Ça se comprend. Le early game est plus facile quoi. Donc là, t'es en train de me dire que je vais peut-être devenir un monstre. Non, y'a pas la 144 là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien touché pourtant. Peut-être putain, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cette résolution, c'est tellement bien. Ah, on est d'accord qu'elle compte cette game, on est en foin là. Ouais, t'inquiète. Ouais, voilà, ça démarre direct, ça démarre direct. Comment ça va toi, Tixi? Bah, on a vu personne au spawn. C'est direct dans des briefs de game quoi. Actuellement, je suis sur un 42 balles sur mon fond. Comment tu te sens dans ce live? En plus, y'a peu de monde. Ah, c'est plein écran fenêtré. Ils sont que 80 000 chez toi, Gota? Plein écran. Ouais, mais du coup, je vais être en 1900x1080. Attends, lève-lui le micro quand on fait des réglages techniques. Oh les gars, désolé, c'est les petits réglages. On vient de rentrer tranquillou. Ah bah, ça, on a prévenu qu'aujourd'hui, ça allait être à la rage. Déjà, soyez contents parce que vraiment. Et en plus, à cause des méchouets, putain, on est obligé de jouer en 1100x80. Je suis le seul en 16-9ème là. Hein. Là, je suis en 16-9ème du coup là. Ah ouais, on a fait ça pour rien quoi. C'est pour lui qu'on le fait, au final, on l'a tous sauf lui. Du coup, là, on n'est pas ennemis là, du coup, là, c'est. Normalement, si. Non. On n'a même pas rappelé, on est vraiment à la rage aujourd'hui. Ouais, on a parmi les règles et tout ça. Eh, vous connaissez de toute façon. On vous a dit aujourd'hui, pardonnez-nous tout. Déjà, je vous assure, hein, Gota a œuvré, il a vraiment remué ciel les terres pour qu'on soit. Bah, quand pour même ceux là. Qui ont bien suivi, ils savent que je reviens de très loin là. Hein. C'est pas genre. pour les vrais. Y'a des gentils dans le bâtiment. Ah. Bon, allez, vas-y. C'est vrai qu'il y a quand même de l'argent en jeu, je vais me focus. Le son du jeu va revenir, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Ne vous inquiétez pas, on est sur tous les coups. Et Tixi là qui commence déjà à laver. Ouais, là il est tranquillement allé sur les mecs. Non, mais je pense que t'as raison, Gota. Je pense qu'on va voter pour une mauvaise Tixi prioritaire. Voilà. Attends, c'est pas toi qui as mis le piège là? Non, c'est un ennemi. Hop. Donc les gars, pour cette game, il n'y aura que la POV de Mushu et moi-même, juste le temps qu'on fasse des petits réglages. Ok, ouais, c'est mieux. Au moins, on est sur les POV qui marchent très bien. Ouais. Non mais les gars, moi je vous cache pas que je suis content qu'il y ait Mushu. Comme ça, on va faire des petits 1v1 build fight, on prend plein de niveaux, ça va être trop bien. Non mais ça veut dire qu'il est au Royal Rumble aussi. Ça veut dire ça. Ouais. Et je sais que Mushu, il les regarde tous les Royal Rumble. Tout le temps. Après, il y a un gros groupe ce soir, je vais être honnête. C'est pas le bon jour là. Ouais, honnêtement, ce soir, tout le monde, sauf moi bien sûr, mais tout le monde peut gagner. On rappelle, actuellement, en termes de vitality, parce que maintenant Tixi est un vitality, on va revenir là-dessus durant cette game là souvent. Il a signé actuellement, il y a que deux Vitality qui n'ont pas de victoire au Royal Rumble dans cette nouvelle saison parce qu'il avait gagné Tixi en se qualifiant Gota Gacho la saison précédente. C'est Tixi et Ads. Donc Tixi en a déjà fait un cette saison, il y avait Roby qui l'avait remporté. Et Ads, je crois qu'il en a fait déjà un. Il avait fait top 2. On verra. Peut-être Tixi, tu seras l'élu ce soir. Il restera plus que Hat. Tixi, lui, il est silence radio et il kill. Ouais, t'inquiète, les gens sur lui, il est là. Toi, t'arrives à suivre en tout cas. 4-4 pour le moment. Mais Shway et moi, on est à 0. Hein, allô? Non, mais on avait annoncé qu'il y avait deux teams ce soir. Il y avait la team pro et la team animateur. Mais Shway, c'était plutôt bien estimé. Hein. Une semaine, j'ai pas touché, moi. Donc. Arrête, j'ai l'excuse. J'ai l'excuse, quoi qu'il arrive. Moi, je vous jure que c'est ma première game depuis qu'il y a les zombies. Ah ouais? Ouais. J'ai à peine et eu le temps de tâcher, je quoi. Me plains pas, tu vois. Tu vois la différence, Mush? Mais bon, j'avoue que j'en ai commenté. Après, toi, t'es habitué à des émissions comme ça aussi. Ah, j'ai cru que t'allais dire t'es habitué à rien faire en game. J'étais en mode, ah, il se permet. Ah, mais c'est vrai qu'il y a le virevolt aussi, on peut réactiver le parachute. Oui. Je vois tout le monde faire ça, mais ça veut dire que tu peux le faire. Voilà. Et Tixi, il kill, hein. Tixi vient de prendre la tête, là, Gota. Je sais pas si t'as. Ah non!
Ouais, t'inquiète, je suis avec lui. Enfin, je suis avec lui, je viens ramasser le des gens qui viennent tuer, quoi. Voilà, le petit full team. Tixi, va falloir aussi un peu parler, hein, parce que. Ouais, je suis un peu timide, on va dire. Ah, mais non, t'es chez toi, c'est Vitality, là, t'es chez toi. Tixi, déjà, teamplay avec Gotha, c'est vrai que vous êtes très proches, là. Il y a une alchimie bizarre, pourtant, t'étais pas dans le bootcamp, toi. Non. Oui. Mais voilà, en tout cas, il est déjà 12 kills, putain, il fait chier. En fait, j'essaie de le déconcentrer aussi, parce que finalement, c'est soit Mushway, soit moi, là, qui payons s'il y a un problème. Allô ? Donc, et cette game, malgré la x1, c'est déjà 18 balles. Ils sont en train de me spam. Un lot. Oh non, vous avez tout pris. Ça fait pas mes affaires, hein, parce que là il y a Mushway. Shield moi, Gotha. Mushway qui a débloqué son premier kill, Tixi qui est monté à 14. De toute façon, on l'a dit, hein, ce soir full top 1. On a de la chance, pour une fois, c'est le temps et non pas le nombre de games qui sera notre limite. Sachant qu'il est 20h47, on a encore 3 games, je pense, minimum, comptant celle-ci. Donc on peut faire la fameuse full soirée top 1. Quoi devant sur moi? Mais eux là, ils sont en mode tryhard. Hein. Mais Tixi. Non, mais là les deux là, ils sont main dans la main et. Tixi il est normal à 15 kills, hein, si jamais. Ah non, mais c'est incroyable. Après, on va le déstabiliser, après, on parle de Vitality. Tixi, il a archi pas le temps, je vous le dis. Et du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, avec les parachutes, le fait qu'on puisse réactiver, ouais. Tu peux quasiment plus mourir de la zone, on est d'accord. Vous aimez bien ça, vous d'ailleurs, ou pas? C'est beaucoup plus rare. En vrai, c'est mieux pour le MM, je trouve, parce que c'est beaucoup plus agressif. Oui. Ah, pour les records de kills, c'est pas mal. Ouais, de ouf. Et du coup, je me dis, la zone, elle crame derrière moi. Ah ouais. Oh nice ce petit last hit. Genre faut vraiment être très naze pour mourir dans la zone. Ouais. Deck derrière toi. Oh merde, ouais, c'est ouais. C'est une merde scope. Le KS. Non. Non, vous allez me voler mon deuxième kill alors qu'il était à moi. Il est en train de fuir vers le nord. Ça va, Mush? Mush, je t'entends pas trop. Qu'est-ce qui se passe, Mush? T'entends pas trop là? Je suis perdu moi. Enculé. Ça fait trop longtemps que j'ai pas touché. Là où je vais, il y a une squad à nord et 60. Elle est disparue, on voit bien. Ah, une squad sur moi. Ah, ils sont 3, j'ai pas de vue. Par pitié, Dwag Beamer, mais jamais vous êtes doux. Là, je suis au check. Je suis mort, moi. Ouais, moi aussi, je pense. Oh non. J'arrive, Tixi, moi. Mais j'ai 0 bug. Drop des bugs de. J'ai 10 de bulles. Drop des bugs de. Ah ouais. Je vois Gotha, il en a beaucoup par contre. Hein. Ah non, attends, Gotha, non, je vais mourir. Venez, les copains. J'arrive. Et où? On va toujours compter sur moi. Ok, j'arrive. T'es sûr que. Faut que je vienne? Oh là là, ils ont l'air énervés, eux. Eh, pas touche à Gotha. Oh non, il a pris shot. Là, tu le. Il ouvre le deuxième. Là, tu le. Laisse-le tranquille. Nice. Je t'ai manqué ou pas? Franchement, là pour le coup, ouais. Yes. Et regarde-moi ce gamin là. Oh non, mais regarde-le. Mais putain, j'ai crevé. Ça passe quand même. Il y a eu un bug là. Hein. Ça passe quand même. T'as une slurp. Ça, c'est à moi par contre. Oh, y'a une faille que j'ai bu. Prends la faille. Venez. Y'a une slurp que j'ai bu. C'est master kill. Ouais, ça va, je suis bien. Même si je meurs, en vrai, je suis bien normalement. Moi, je suis ultra mal là par contre. Là. Oh, Tixi, il a 18. Ah, mais Tixi, lui, regarde, il dit rien. Ça va lâcher des grands Tixi plus grands que Mushway là, c'est fini. c'est fini. Ah, ça, je suis bien en bug, j'ai même pas vu. J'arrive avec mes 14 HP. Ça, tu joues pas une semaine à Fortnite. Eh, moi, je suis perdu. Hein. Bon, plus rien. Moi, là, c'est un nouveau jeu pour moi. Hein. Je t'avoue que pour moi aussi. Je découvre en plus avec la souris là. Je découvre. Bah, il reste un mec en fait. Ah, déjà? Ouais. Ah, mais ça allait vite, ouf. Tixi va faire une 20 kills. Non, mais là, c'est une 33. C'est potentiellement 33 kills. Il est là, je crois, il est là en plus. En plus, il est là, je crois, il est sur moi. Ah, il est là, je le vois. Laissez-le moi pour l'honneur, s'il vous plaît. Pour mon ego, là, laissez-moi le tuer. Je t'entendais vraiment réduire pour la mèche. On en est là, Gotha là. N'écoute pas, Tixi, fais ta 20 kills. Moi, je suis des zombies en attendant. Fais ta 20 kills, Tixi. Fais là, ta 20 kills. On s'est vu. Ah, oui, je le vois, je le vois. T'as pas fait 19 kills pour lui laisser le dernier. T'en as pas fait 19 pour lui laisser le dernier, Tixi. Il va build, t'inquiète pas. Tixi, tu fais ça, t'es un. Let's go, Tixi. Non. Et c'est Mushway qui le valide, il est déjà un top 1. 33 kills en master kill, c'est cool. Putain, heureusement que j'étais là. Hein. Wow. 33 kills, il y avait une réanimation aussi de mon côté, ce qui fait qu'on avait quand même pas mal d'euros. Hein. Mais honnêtement, je pense qu'on est intouchable ce soir. Hein. Ouais, franchement. Mais tu vois, ils parlent pas trop par contre. Hein. Ils sont en mode, ils vont laver des squads. Bon, pour l'instant, pas trop Mushway, mais t'inquiète, je sais que tu vas le faire. Non, mais je sais que tu vas le faire, t'inquiète. Non, mais c'est aussi parce que...
ce que je trouve étonnant, c'est que la zone était encore très grande au moment où on fait top 1. C'est-à-dire qu'il restait encore 2-3 zones. Ouais, c'est ça. Et ça, comment tu l'expliques? C'est vraiment principalement grâce au parachute? C'est parce que, ouais, je pense bien. La game aussi, c'est ça. Mais je te jure, tu le vois à un endroit. Moi, je l'ai pas vu de la game. Tu le vois à l'autre bout. Tu le vois à l'autre bout. Bon, Tixi, on va parler un petit peu de toi dans ce début de game, vu que t'as été les logs forts de cette première game. Comment ça s'est passé? Et même Gotha, du coup, peut réagir parce qu'à mon avis, il a toutes les infos. Comment s'est passé cette signature là? D'un coup, j'ai cru voir la news de Millennium en mode ça y est, Millennium va arrêter son. Non, mais déjà, ça faisait un moment qu'on en parlait. Bah, racontez, on veut des insides là entre vous deux, racontez. Vas-y, Tixi, je te laisse. Hein. comment s'est passé? Comment de ton côté tu l'as vécu et tout? La vérité, on veut tout savoir. Ben, du coup, comme vous savez, j'étais chez Millennium. Enfin, j'avais déjà été contacté par Vita entre guillemets pour intégrer la structure. Mais Millennium m'avait pas encore annoncé la fermeture. D'accord. Du coup, le temps passe. Et là, Millennium a annoncé récemment sa fermeture dans l'e-sport. Et comme vous l'avez vu, j'ai signé chez Vitality. Mais comment ça s'est fait? Tu t'es repris le lendemain, t'as reçu la un DM, chance qu'il a. Ouais, c'est non, mais c'est pas... non, mais déjà, on se parlait depuis très longtemps. Il y a Samy aussi qui est rentré chez Vitality, qui s'occupait de lui et Roby avant. Et déjà, pour te dire, quand moi j'ai déjà parlé à Tixi, on avait même pas encore annoncé notre roster, nous, tu vois. Genre, ça remonte à quand même longtemps. Okay. Et je lui disais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il était déjà dans les petits papiers, quoi. Ouais, puis bah, derrière, il a reçu d'autres propositions, en plus, des propositions même super intéressantes. Ok. Et du coup, c'est le cinquième homme. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Mais il en faut un sixième. Moi, je pense qu'il en faut un sixième, personnellement. Après, c'est ce que vous voulez dans votre côté. Je te vois venir, toi. Quoi? S'il y en a un sixième, ça sera moi, je te le dis. Ok, bah oui. On te mettra avec Mika alors, du coup. Honnêtement, si tu dois signer un Vitality, tu préfères signer Mushway ou moi? Ah, Mushway. Aïe aïe aïe. En fait, le problème le seul problème de Mushway, c'est que le problème, c'est qu'il a des antécédents. Il y a pas d'antécédents. C'est bien sûr que si. J'étais dans le jacuzzi, à sans oser avec des mecs de Twitch. Je loupe plus. Il y a pas d'antécédents. Je loupe même plus. Qu'est-ce que tu caches dans ton histoire, toi? Non, il y a rien. C'est mon collègue. Il y a eu des petites histoires, mais c'est du passé. C'était sur Minecraft, mais non. Donc il dit, il y a pas d'antécédents, il y a du passé. Non, mais c'est pas moi. Tu sais que antécédent, c'est un synonyme. Si jamais. Ça veut dire passer. Allez go. Ça fight. On va reparler de son ban, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ouais, Tixi qui a signé. Alors comment ça s'est passé? Il y a eu rachat de contrat ou finalement t'as été libéré par Millennium et Bah en gros, pour pas rentrer trop dans les détails, de base en fait, c'était un peu chiant parce que quand on voulait le racheter entre guillemets, c'était en mode ouais bah si vous voulez racheter, vous devez payer tous ces cash price, tous ces machins, tous ces. Mais Tixi, on a quand même gagné pas mal du cash price, tu vois. C'est bah, genre. C'est le problème. Enfin bref, c'est Webedia, tu connais, on va pas, je pense, épiloguer longtemps dessus. Même bail que Roby tout ça à l'époque. Oh pire. Pire. Ah oui, pire. Bah parce qu'en gros, ils avaient des projets qu'ils voulaient faire avec Tixi en tête d'affiche. C'est cool, et pour revenir sur ça va pas être en cinquième joueur parce que ça va être plus lui va intégrer directement la main squad. Après, faut savoir un truc, c'est que pour l'instant, Epic Games, ce qu'ils annoncent surtout, c'est beaucoup de solo et 2v2. Pour l'instant, en squad, ils se sont prononcés sur rien du tout. Si c'est en 2v2, comment ça se passe? Vous êtes 5, comme il a dit Mushway, un 6ème du coup. Totalement, Dolby, totalement. Moi, je vois bien une équipe Tixi Mush. Moi, je suis très chaud, moi. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Toi, Tixi, tu penses quoi de Mushway, toi? En vrai, je le regarde pas plus que ça, mais pour le peu que je le regardais, il est assez impressionnant, ouais. Ok. Carrément impressionnant, le terme impressionnant de Tixi. C'est pas mal, hein. Et moi comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Génial. Okay. J'ai vraiment l'impression d'être fait friendzone. Bah, t'es un bon pote. Oh mon dieu. Ah merde. Non, mais impressionnant, c'est... Ouais, impressionnant, c'est un mot qui fait plaisir. Ouais. Ouais. Impressionnant. Après, de... là, je suis sorti de ma zone de confort, là. Oh, là, c'est dur pour moi, là. De mec à retail, Gotha. Il est déjà arrêté, Tixi. Moi, je suis en train de... Moi, je suis trop fan du gameplay de Tixi, vraiment. Il fait méga peur. Mais c'est genre, il a... C'est le genre de mec, il a 20 HP, il va t'agresser comme s'il en avait 200 et il va te gagner déjà le duel mental en fait. Mais moi aussi, Gotha. Hein. Bah, sur le Royal Rumble, on a vu que ça marchait sur le Royal Rumble, le fait de fake le nombre d'HP que tu as en fonction de ton attitude. Ça a surpris, il y a eu des duels gagnés alors que le mec avait peu d'HP. Mais parce que, comme tu l'as dit, avec l'attitude, on laissait croire que le mec était full. Et donc ça donne un duel un peu plus équilibré. Donc c'est important comme info ce que va donner Gotha. C'est un vrai point fort, j'avoue, de la part de Tixi. On est avec Dotby, on est en train de galérer à courir. Là, vous avez tous pris les failles, ça nous attend. Toutes les games, c'est la même chose. C'est trop là. Et toi, tu vas où? Attends-nous. T'as deux failles. T'as des petites potes ou pas? C'est bon? Ouais, c'est sûr, hein, parce que j'en ai 10. Ah bah vas-y. Non, c'est bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un complot Vitality. Maintenant, je veux qu'on arrête ça. C'est du Bambino là. C'est du Bambino. Et le dernier, il est top. Ah, c'est pas mon escalier. Excusez-nous, hein, on n'a pas le team play, nous, les gars. On n'a pas le team play. Je vois que Mush, il essaye de suivre déjà, il galère. Non, mais il farme du zombie aussi. Mais regardez la map, montrez la map, parce qu'il y a Mush, c'est le point. En bas, il y a des codes. Ouais, des codes. Regardez la différence, quoi. Il y a deux gars, ils sont collés, ils se lâchent pas. T'en as un, il est en mode j'arrive. Et moi, je suis, mais les gars, m'oubliez pas. C'est vraiment incroyable. Mais c'est normal, ils sont dans la même structure. Il y a le teamplay qui est naturel. Mais ça, c'est dès que tu mets le maillot Vitality, ça se passe comme ça. Parce que sinon, je m'achète un maillot, hein. Moi, j'ai compris. Il y a un grappin là. Ah, attends. C'est déjà mort. Il y a un mec.
Kota qui okay, est au sol. Ok, sur Tetris. Ouais. Oh, non. Vas-y, je vais le grappin. Oh, le rush de Tixi avec le grappin. Bien chercher la hauteur. C'est propre. Yes. Vas-y, du coup, je vais aller chercher le quad. Putain, mais je vois que des zombies, c'est incroyable. Ah, oh, là, il y a des mecs sur moi, il y a des mecs. Où ça, à Lille? Ouais, Lille, mais ils volent. Ouais, ils sont bien chiants. Attends, pour le classique là. Ils donnent full munitions en plus, les zombies. Ouais, mais des fois, ils donnent des slugs. En fait, ce qui est juste chiant, c'est qu'ils donnent pas de construit. Ouais, moi aussi, j'avais dit la même chose. En vrai, ça serait trop pété sinon, genre. Mais. Par contre, le zombie doré là, il est archi vénère. Ouais, de ouf. Mais en fait, quand il tu te donne une arme en or, je crois. Non, c'est comme si tu lootais un loot. Un zombie doré. Ouais. Donc là, si je tue deux zombies dorés, j'ai deux loot. Ouais. Et il y en a partout des zombies dorés. Putain, mais il y a. Non, zombie doré, il y en a pas beaucoup. Bah là, j'en ai eu deux dans le même. C'est plutôt en fin de game, j'ai l'impression. Regardez ce qu'il y avait dedans. C'est incroyable. Ouais, c'est ouf hein. Mais après il est dur à tuer. Après ça je trouve que c'est réglo. En fait il est pas dur, il est long en fait. Ouais en c'est ça, il est chiant. Attends, j'ai l'impression que je lui fais zéro dégâts. Y'a des gens qui ont l'air de savoir jouer. Deux squads ici. Pourquoi tu veux pas mourir? Oh, mais t'as raison, il donne trop de stuff. Non, bah ouais c'est ouf. Je ne sais pas quoi en penser. Ah fais gaffe, ils sont deux hein. Ils sont trois même. Oh, ça se passe bien là pour l'instant. Ouais. Oh là là, ils sont chiants avec leurs trucs. J'ose même plus appuyer sur tabulation, je vous jure, ça fait trop peur. Parce que là, on est en x2, hein, les gars. Donc, sur un accident, c'est déjà 40€, les gars. Je vois un. Ah, il est pas. Ouest. Sur la colline, ouest, ils vont retomber. Ah ouais, je les vois. Ok, sur le bus, il y en a deux là. 2x26. Le mec tout à gauche, il y a une balle. Ouais. Nice. Tixi, t'as. Ah non, c'est des zombies, putain. C'est vrai que... Je t'aide, Tixi. Non, ça va. Je l'ai eu. Il y a deux mecs devant moi encore. Il y en a un, sur toi, Tixi, il rush. Ouais, je sais. Il a pris 3, il a plus de chill. 100% info sûr. Il est dans les airs. Ouais, derrière moi, au top. Prenne le bazooka. Lui il est long. Il est shield. Non, il est shieldé. Il y en a un derrière moi, je crois. Il s'est fait tuer par un zombie. Y'a un mec sur moi là, y'a un mec sur moi. Il m'a pas vu. Mort. Ah mais il reste que 6 mecs en fait. Ouais, ça va trop vite. En vrai ça faisait longtemps que j'ai pas joué avec cette résolution et ça fait du bien putain. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire, genre en vrai ça aide vraiment. Mais en vrai c'est surtout parce que moi je suis un noob hein. Et je vous assure qu'y'a une diff. Ouais c'est... Je touche toutes mes balles. Genre je sais pas si vous avez un peu été sur ma POV. Le mec là qui te rejette. C'est le changement aussi, c'est le changement. Quand en vrai, changes. C'est surtout que c'est plus fluide. C'est le changement aussi. Mais il a pris 26, 66, j'étais en mode, j'ai jamais fait ça de ma vie. Non, parce qu'en fait, ils sont plus gros. Les persos, ils sont plus gros aussi, genre. Non, mais j'ai l'impression que je peux perdre aucun duel, les frères. Genre, vraiment, je crois que. Abuse pas. Je crois que c'est mon jour, les gars, c'est mon royal ce soir. Non, mais c'est ah trop ouais, bien. J'ai les lasers. Fais gaffe, Mich. Wesh. Ils m'ont cancel ma potion. Non, les zombies. On a pas les mêmes combats. Sur moi. Te moque pas. Fatigué. Mort. Il est pour moi le surf là, Tixi. Ouais. Merci. Il y en a deux. Mais après, il reste un mec. Bah, il reste qu'un mec quoi. Tiens, ouais. Oh, deux secondes. Non, mais trouver le dernier mec, ça va être tellement chiant. Mais c'est trop facile là, je comprends pas, Tixi. Mais regarde la map, comme elle est encore grande. Vous l'avez trop vite les serveurs. Allo. Tixi, il la laisse de partout lui. Vous avez nettoyé. Vraiment les nettoyeurs. Il est là. En 150 de ma position, 100%. Oh, il est à moi, c'est mon moment. Attends, Edouard, avec sécurité, j'arrive. Attends, ne le trollez pas. Oh, ouais, Edouard, directement qui prend ses responsabilités. À la pioche. Vas-y, à la pioche. À la pioche, vous êtes pas des bitches. Boum. Attends, faut peut-être l'affaiblir avant, il a encore du shield. Ah. Vas-y, Tixi, à la pioche. Pioche-le. Il va mourir de la zone. Pioche-le. Non. Tixi l'a bastonné! Nice! Ah mais Tixi rigole 0,17 kills. Tu nous dis quand ça te fait chier. Non, ça va. Et vous êtes pratiquement 100 000 à voir Tixi faire 17 kills calmement. Tranquille. Oh, je crois que ça va être la spéciale top 1. Hein. En vrai, je crois qu'il y a même personne qui est mort encore. Serein? Ouais. Il est serein, lui. Hein. Il est serein de fou. Hein. En fait, il a tellement vite les serveurs que ça me protège. Tu connaissais pas Tixi, toi? C'est trop bien. Je savais pas, il faisait le mec un peu. Ouais. Ah non, mais en MM, Tixi, gros. C'est... Non, mais même pas. Mais le pire, non, même pas. C'est même en compète, en stream, il joue pareil. Non, mais genre, il est pas dans son petit.
petit confort chez lui quoi. Non mais c'est même pas non, un souvenir mais... rien. Non mais par contre ça, il arrive quand au... ça change, je suis nul. Je veux réagir mais il a joué sur la scène, trop genre fort, c'est le gars qui j'adapte trop fort. Oui, s'en fout du setup. Ouais. Même au Gotaga Show, tu sais, je lui ai fait la blague au début, genre tu sais la blague c'est tu normalement seras pas sur un setup. Ouais de... non ouais. j'ai fait par contre désolé mais pour le stream tu pourras pas mettre 10100 x 1080. Okay. Il a fait ah ouais. Oh pas grave. Alors que normalement tu par exemple si je dis ça à Meshwe, pardon, je suis en 1980 depuis tout à l'heure. Oui oui. Je me plains même pas, j'ai rien dit. C'est vrai, c'est vrai. Mais au début avoue quand t'es arrivé, t'étais en mode bah non, j'ai juste dit que j'ai préféré j'avais mes petites. Mais moi je suis pareil, hein, moi je suis pareil, genre ouais. Quand j'ai pas mon setup, genre. Encore pire quand t'es pas chez toi, quand t'es pas à l'aise. Là je retrouve ma souris, je suis trop content, c'est trop bien. Moi c'est une nouvelle souris là que j'ai là, j'ai jamais joué avec. Non mais Chouette, est-ce que t'es pas un joueur, genre si t'as pas ton setup. Ah de fou, de fou. Non mais même pas que le setup, genre. Non mais même le confort autour. Genre par exemple, tu vois, genre tu vas pas faire les fighter lead, t'as besoin d'avoir genre au moins tes 300 hein construits, machin, ah, tout non, ça. Moi je suis ultra agressif. Ah tu m'en bats les couilles. Bah, j'ai le gameplay Tixi en vrai. Ouais d'ailleurs, sans, humble. Avec un peu, ouais, un peu d'humilité, non, vraiment, je rush bien, j'aime bien, c'est vraiment mon style de jeu. Parce que lui il s'en bat les couilles, il a 50 de bois. Ouais, mais lui, tu vois, lui il est à l'aise de partout, il a ses facultés, il est ici, il est à l'aise, moi je suis là. Je suis perdu un peu là. Non, le seul truc c'était comme Michael, il était en mode ah putain, ouais, le siège on peut pas le remonter parce que le bureau il est haut, tu vois, ouais, à cause des roulettes. Juste ça. C'est... Mais moi, même là, regarde, c'est l'environnement. Moi c'est l'environnement. Maintenant il sourit. T'allais dire quoi sur le gameplay? T'en avais ouais, parlé de ça? Je voulais dire, c'est pour ça que les gens ils nous comparent toujours, nous deux, rivalité okay. Entre on a guillemets. Le même parce que ouais, on joue la même. Après, il est habitué de fou, tout ce qui est la pression, le skirmish, tout ça. Moi j'ai jamais. Toi pas encore? Jamais, jamais. C'est ma première expérience. Non, mais tu vois comment il est arrivé, comment il avait la pression. Bah non, il était choupi. Est-ce que là ça va? Est-ce que tu t'en dis un petit peu mieux? Non, mais moi je dirais que j'étais à l'aise. C'est trop bien. C'est juste, comme on savait depuis mercredi qu'on venait, c'est l'appréhension. Après, quand on parle avec vous et tout, on sait que vous êtes des mecs cool, ça passe bien. Oh, à quel moment ce mec-là peut être allez. Cancer quoi. Genre, vraiment, j'arrive pas à visualiser. Quoi. Hâte de voir ce qu'il va valoir aussi au Royal Rumble. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura un très gros groupe. On joue en Master Kill, peu importe le nombre de games, jusqu'à 22h tout pile. À 22h, on passe au Royal Rumble. On fera une heure de Royal Rumble uniquement. Donc, uniquement le format 1v1. Parce que, après, c'est SPGW. Tout le monde est à Paris. Tout le monde veut profiter un petit peu parce qu'ils peuvent se croiser. C'est comme Tixi. Il est rarement quasiment à Paris. Donc, il a sûrement d'autres trucs à faire. Tu vas encore il y a la demander soirée à Twitch. Ouais. Il y a la soirée Twitch ce soir. Jour. Donc, vous y allez, vous, à la soirée Twitch, Meshway, Tixi? Moi, on hésite pas encore. Quoi qu'il arrive, on passe la soirée ensemble avec Tixi. Après, on va voir où on va. Il y a des one shots. Aïe. Accompagné ou hein? Non. Arrête. Moi je suis sûr que Tixi c'est un tombeur. Ah lui oui. Moi, non mais coup. Maintenant il fait de la muscu et tout, hein. Il est stock le Tixi. Hein. Et je suis sûr que Tixi. Moi aussi de fou. Attention avec les meufs Tixi, hein, je te préviens. Fais pas de bêtises hein. On a touché un point sensible. On a touché un point sensible. Dès qu'on parle de meufs, allez. Bonne technique ça. Allez, bienvenue dans Master Key. Tous les coups sont permis. Bon. Ah, je rigole, le karma, putain. Non, mais je rigolais. Nul ce jeu. Pourquoi j'ai parlé? Ah, je suis mort. J'suis attends, mort. Faut qu'on fasse 5 kills. Non. Faut que tu fasses 5 kills. Mais oh, non. J'étais déconcentré. Ah, du coup, me chouette. 100% c'est pour toi qui, c'est toi qui paye. Hein? 100% c'est toi qui paye, gros. 100%. C'est... La règle, c'est pas celui qui meurt en premier? Non, c'est celui qui a le moins de votes. Mais moi, on me donne pas les règles d'entrée. Moi, je me suis dit, Tixi, il est mort, je vais soutenir. T'as pas vu la... Ah merde, on a pas mis la vidéo. Moi, j'ai soutenu. T'avais qu'à regarder la vidéo avant. Oh yes. Allez, 5 kills là. Oh, Gotha, on est déjà à 4. Vite. C'est trop tard, le son, il peut plus voter là. Non, il peut plus. Gotha qui a mis un mec au sol, mais qu'il a pas validé. Oh non, ça fait que 4. Ça fait 5. Ça fait 5. Je paye combien? Ça fait 5. Je paye combien du coup là? Sur une 10 euros. Oh. Sur une 10 balles. 10 euros, c'est mes tranquille. Abonnés qui payent. Je ne cautionne pas. Du coup, faut tirer au sort. Bah moi, oui. Je vais refaire un petit café en attendant. Après, ouais. Ça relance les votes. Puis voilà, je reviens. Et on va découvrir le gagnant. C'est Namkasan qui obtiendra les 10 euros tout frais payés par Meshway. Alors, avec plaisir, j'imagine en plus. Un grand plaisir. Voilà, donc tout simplement, ça nous fait ouais, plaisir, frérot. Donc, Meshway, pour l'instant, seul loser ouais. De ce Master Kill. Donc, ça sera pas un Master Kill full top. J'avais prévenu. J'ai vu un petit message. Passé, il y en a plein qui disent tiens qu'est-ce qu'il fout là Meshway, il est pas ban Twitch. Donc rapidement, alors moi de ce que j'ai compris tu dis si je dis sans de la merde. Faire trop d'histoire, on va dire que ton pote a fait de la merde sur ton live. À une époque où j'avais moins de viewers, j'avais pas de modo, il y a mon pote qui a fait spam un peu des conneries. Voilà. J'ai pas su modérer et du coup bah ça m'a porté un peu préjudice. Donc toi en soi t'avais rien fait. Moi clairement j'ai le mail de l'admin qui m'a envoyé un mail en m'expliquant que c'était pas mon. Mais par contre, que tu es moi, responsable. Je suis responsable mais c'est pas moi le fautif en soi quoi. Quand vous êtes au volant. Le fautif direct. Et que votre passager n'a pas mis la ceinture. Vous êtes c'est responsable, toi, c'est toi ce que je veux dire. Donc c'est un peu pareil, c'est sa chaîne, c'était lui qui était en live, c'est son pote, c'est il est responsable du comportement c'est de son pote, donc ça s'est assez mal passé. Comment se la joue celle-là? Parce qu'on reste en solo, pour l'instant ça marche plutôt bien. Moi je préfère ou est-ce qu'on se mettrait pas? Pro
je cherche les mecs depuis prochaine game. Si Tixi a beaucoup d'avance, on se met 3 contre lui. Okay. Parce que là, au moins, il aura une vraie raison de tryhard à ce point, tu vois. Merci pour le call Paradise, hein. Merci les potes. Hein. J'aime la communication. Paradise, c'est hein. toujours. Si, je vais retail. Je vais retail, je vais retail aussi. Je vais retail aussi, vas-y. C'est pas ma résolution, c'est pas mon setup. On se moque de moi là? Non, je crois plus. Jamais. Moi, je viens avec plaisir et si c'est pour me faire tailler, je me barre. Jamais j'oserais, mush. T'es fou. Merci. Vas-y, Tixi, je te regarde. C'est bien, c'est bien. Alors, Gota Gali aussi fait un énorme travail hein, de son côté. Non, mais là, c'est chaud parce que. T'as besoin d'aide ou pas, Gota? Non, c'est bon. Coucou, je suis là. En fait, c'est que j'ai pas de pompe et. Ah, c'est pour ça que c'est chaud. Oh, mais y'a des mecs en fait. Gota. Ouais, ouais, je sais pas où, mais. Donc, on voit Tixi arriver à la rescousse de Gotaga, son allié. Et non, finalement, c'est même pas qu'ils viennent à son secours, c'est tout simplement qu'ils se synchronisent pour éliminer l'adversaire. Ok, on y va. Oh, mesh way. Y'a des gens? Où ça? Entre toi et moi. Ok. Je vous laisse profiter hein, de la symbiose entre les deux joueurs. Ah, ouais, je vois. J'arrive dans le dos. Hein. Il y a plus de shield du tout. Un au sol. Ah, ils sont, vous êtes bien synchro, deuxième au sol. Il est low. Vous avez vu, il y en a un qui attaque, l'autre qui défend, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont toujours une position où il y en a un qui attire l'attention et l'autre qui a la ligne de tir parfaite. C'est extrêmement propre ce qu'ils sont en train de proposer, mais c'est pas terminé. Ça continue sur Gotaga. Il manque un mec, je sais pas où là. Ouais, je suis sûr de par des. J'arrive, j'arrive. Je sais que t'as besoin de moi, Gota. Je suis vraiment un enfant. Je suis vraiment un enfant, je viens de me rendre compte de ce que je viens de faire. Putain, il y a des mecs. Tu crains les chatouilles un peu? Ouais, je suis très chatouillé. Arrête, arrête, arrête. C'est qui va se faire chatouiller en combat? Est-ce que tu peux le tuer comme ça en étant déstabilisé? Non, mais en vrai, ça le déstabilise pas mal? Non, en vrai, vas-y, c'est bon. Même comme ça, il les défonce. Ouais, il m'a mis mégalo lui. Hein. Aïe, 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 aïe. Un petit peu trop déstabilisé. Ah, je vais mourir. Non. Oh. T'as tué le Gota? Attends, j'ai des mecs sur moi là. Oh là là, c'est efficace. Allez, en bas, en bas, en bas. Tu le vois pas? Ok, sous. Ah là, c'est bon. Oh là là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, t'arrives pas, je l'ai fini. 2 contre 34. Bonne chance à vous, les deux Vitality. On est mort direct. Il nous reste, il y a 3 mecs. Ouais, je vois. Non, il y a 4 mecs. Fais gaffe. Oh. C'est normal qu'il y ait boule par un putain d'arme. Il est où? Oh là là, les dégâts au piège de Tixi sur ce fight! Il est low, il s'est pris du bazooka et. C'est propre. Vous êtes actuellement 103 194! Merci d'être aussi nombreux, ouais, vous profiter de la game. Ok, le parachute. Mais il est tout seul, j'ai l'impression. Non, ils sont deux, moi. Je crois qu'eux ils étaient pas prêts. Ouais, je crois qu'eux ils s'attendaient pas à un débarquement aussi brutal. Ils avaient l'air tranquilles en train de strater. Ça tire à gauche, je crois. Ouais, ça tire devant moi. Ok, ouais, il y a deux teams, j'irai. Je suis pas sûr. Ouais, j'en cherche tout, j'arrive. Ils vont peut-être le faire ce top 1. Peut-être pour vous récompenser d'être aussi nombreux, ils vont peut-être aller le chercher ce top 1. Ça, c'est un moonshot ça. Mais genre, c'est pas. Il y en a un qui a pris la faille et. Ok. Et je vais tuer deux. Mais Tixi touche la faille ici, faille ici, faille ici. C'est pas possible. Il y a une autre faille ici, je l'utilise. C'est un autre jeu. C'est comment tu fais? Et celui qui s'est barré, il avait plus de shield, non? Ok. Donc il a la mité aussi, je sais pas où il est passé. Ok, il est devant moi. Ouais, j'arrive vers toi là. Messieurs et mesdemoiselles et mesdames. Le pot, il va mourir. Et boum, un de moins. Non, mais il va trop vite, c'est insane. Mais tu parles de Tixi, on est d'accord? Ouais. Bah, y a, déjà, il y a ça, le déplacement, mais surtout, je te jure qu'il touche toutes ses balles. C'est plus que 16. Ah, c'est toi. Il est où? Ah, c'est pas moi. C'est propre, messieurs. Il est où? Contact à Tixi.
Oh, oh le contact. Les gars, piège. Oh là là. T'as pris du sale là. Oh, mais t'es bête, mais je l'avais pas dit deux fois, genre. Mais j'ai détruit le piège en fait. Ah, non, et il y avait deux pièges en fait. Oui. Ah, tu crois qu'il était à toi. Il a dit deux fois, fais gaffe au piège. Non, non, mais je savais que c'était le sien. après, quand je t'ai vu retomber dedans, je me suis dit, ah non, mais ça doit être le sien qu'il a mis après. Mais je te jure, moi aussi, j'étais en mode, mais il sait ce qu'il fait. Parce que les doigts, si je perds cette réaction contre App, hein. Je vous le dis tout de suite. Celle-là, je la vache. J'ai deux tremplins si jamais. Vas-y, mais on l'utilise la faille, non? Ouais, ouais. Non, mais. Non. Ah, d'accord, en fait, ils sont 300 nord-ouest. Ah, tu tues tous les zombies si tu veux. Ouais, c'est mort, c'est mort. Il faut qu'il te finisse, comme ça je récupère ton but au moins. Ah, attends, je me mets à... On m'a dit me finir. Il a vraiment dit ça. Là, les zombies peuvent me tuer normalement, non? Aucune idée en vrai. Tu bouges pas, mec, t'as juste à me tirer dessus. Ouais, là, j'ai pas touché. Ouais, en vrai, en plus, j'ai 1400. Ouais, laisse tomber. Tixi, en 1 contre 9, Gotaga aurait été quand même très utile pour laver les 3 quarts du serveur. Mais c'est de la merde, je comprenais pas d'où il me tirait, le mec. 1 contre 9, on va suivre Tixi. Il gagne son premier duel. Calé. Oh, oh, par contre ça c'était pas mal joué ça de la part de l'adversaire. Le lance-grenade qui vient surprendre le joueur Vitality. Ouais, pour le coup ça m'a bien surpris hein. Oh non. Ça fait 25. Il y a la rien en plus. On partage 27 x 3. On fait 50-50 Gotha. Non non. Du coup on s'est manqué mutuellement et tout. Du coup c'est quoi 84? 42 chacun. J'étais à fond dans la game et je viens de comprendre que c'était moi en fait. Putain, oh non, j'avais oublié ça. J'avais beaucoup d'argent. On tire le gagnant, bah voilà. Bah écoute, Nutty, sub en plus. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Messieurs, ça va être déjà la dernière game de ce Master. Encore game. En x3 du coup. Encore en x3. Tu dis toi-même, en ce moment t'es un peu entre les deux. Ah non, 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 moi je suis à fond joueur pro. Moi, ah. Non, vraiment, je suis pas entre les deux. C'est que ça fait une semaine que j'ai pas mon setup. Ok, ça, mais si tu m'as regardé il y a une semaine, c'était. C'est reparti là, quoi. Là par exemple, je suis joueur pro, quoi. Tu vas voir dans quelques secondes que je suis pro. Toi, ça t'intéresserait de rejoindre Vitality en vrai? Moi, je suis pro là. Ça serait la réalisation d'un rêve? Oh non, t'es nul. Oh, c'était le moment où fallait pas mourir, gros. J'étais pas focus. Y'a un mec devant moi, j'ai pas d'armes. J'ai spawn. Ah là, je peux plus rien pour toi. J'essaie de venir, moi. C'est bon, c'est bon. Tixi, gère ça. Dans la maison bleue, y'avait Massmond, mais j'ai qu'un Deagle. Au secours, au secours. Terrain de foot, au secours. Terrain de foot. Je suis là, tata. Mais je vous jure, c'est trop bien cette solution. Je vous jure, je viens de mettre deux têtes, j'ai pas fait exprès. Ah ouais? Je vous jure, je veux la même chose chez moi, je sais pas comment mais t'as fait. Mais le Deagle là, c'est n'importe quoi là, même de loin, tu mets du 50. Mais t'as vu le petit. Ah, c'est le petit Deagle que t'as? Ouais, mais je l'ai même utilisé à la LAN. Et à la LAN, il était trop bien. Non, genre. Non, mais il est trop fort en vrai. Par contre, j'ai que ça comme arme. Ouais, fais gaffe, y'a un mec dans le fort au-dessus de toi. Et y'a un mec sur la maison, j'ai l'impression. Et attends, y'a un mec aux pompes là, si je le tue, je récupère son pompe. Ah, je vais piocher, mec, j'ai besoin de ton arme, sorry. Ah, au-dessus là, sur le fort. Il est mort? Il y en a un, il campe sur le fort là, non il est pas mort. Ah, il a mis double fort quand même. Il y en a un en ouest aussi après. Hein. Mais il se barre en plus, je crois, non? Ouais, il se barre. Touché. Ah, ça fait 17 en fait. Ça se full fight sud-ouest si vous êtes. Y'a un mec qui me snipe en ouest et sud-ouest, ça se full fight. Ouest, ouest. T'as du coup le pack, Gotha? 30. Non, pas de temps. Okay. Vas-y, je te passe la moitié de pouvoir. Vas-y, merci. Au secours, contact, vraiment. Je suis là. Ah ouais, ah, c'est un brebis, ça va. Ouais, oui, mais il y a deux mecs derrière qui snipe. À droite, il y a un mec qui snipe. À droite, c'est lui. À droite, ok. Il a pris 60. Pour 66. Toi, les bambis, pour Drake, c'est pas forcément des bambis. Ah, il est mort, ok. Et il y en a encore à gauche. Sud, il reste du monde. 100%, regardez. Il a pris 30, il est blanc. Non, il est jaune. Hein? Le skin. Ah, waouh. Il y a Gotha qui est en galère maintenant. Ça, Gotha? Nickel. Ah, mais attends, c'est pas vous ça. Le mec mégalo sur moi, mégalo. Sur toi, méchoué. On arrive. Lui, il s'est pris 140 HP. Oh, mais lui, il a l'air pas mauvais en vrai. Lui, il est pas dégueu et moi. Il est tout. Skin Skyheart rouge, à ta gauche là, quelque part. Où est l'intérieur là? Allez, ouais. Mouchoy, c'est ton moment. Ouais, il s'est pris 140. Oh, je l'ai tué. Oh, ah. Bon. J'ai jamais un poteau qui veut ranimer, n'hésitez pas. Je vais m'en occuper, t'inquiète, t'embête pas, t'as mieux à faire toi. Mais en plus, tu crois? C'est que ça rapporte un point hein, au cas où. Hop. Il m'a baisé. Je les aime bien, moi, c'est baisé, débutant. C'est débutant là. D'accord bien. Il m'a eu là. Oui, t'as complètement baisé, c'est pour ça que je dis ça. Et tiens, monsieur Gotaga, parce que j'ai été régalé. Gotaga, je t'échange deux mini contre la grosse. J'arrive, Tixi. Ok, je suis en l'air. J'ai zéro but, j'ai rien. Non, mais je le vois. Je suis mort. Non. Si. J'ai besoin d'être perso là. Ah oui, ils vont t'agresser là. Ne mêle pas Tixi. Ah, mais Tixi est mort. Ouais, j'ai pris ma blue snipe. J'allais dire, ne mêle pas Tixi à tes histoires, mais ok. Y'a un mec sur moi. Attends, parce qu'on va prendre la faille, hein, du coup on a. J'entends que là. Ah, Doig, il reste plus que nous. Comme au bon vieux temps. C'est où, vous êtes mort? Juste là en bas sur l'île. Oh, j'ai 8 balles d'air. Là, vous faites top 1 ou c'est moi qui paye, c'est ça? Contact à moi, deux mecs. C'est en bas. Oh, les fils de. Ah, oh, je suis mort. 1000%, je suis mort. Y'a pas moyen que je m'envole là, Tixi? Pourquoi je m'en. Ah, ça c'est bon. Oh, j'ai peut-être eu de chance. Eh, je vais loin, moi. Je m'en vais, hein. Ouais, moi je suis vraiment. Je veux pas fight. Ok, bah je reste dans le camp au cas où, mais. Pas chaud.
couvert. Pas mauvais en plus, hein. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Je te soutiens. Avec des balles de snipe. D'accord, je pouvais pas voler, je pouvais pas, ouais, vas-y, je fais trop de la merde. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à build, j'arrivais à rien faire du tout. Bon, Doc, de toute façon, tu vas faire top 1 là. Bien sûr. Aïe 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 aïe, il reste plus que Doc B du coup. Voilà, c'est mon moment là. Il y a un mec qui te rush. Hein, vraiment? Ouais. Vraiment, pris, vraiment? Ouais, ouais, il est au-dessus de toi. Au-dessus de la maison. Comment ouais, tu sais ce genre de choses et pourquoi moi je sais pas? Je sais pas, je l'ai entendu. Je pense que t'as une weed surdéveloppée. Non, je pense pas. Alors, je vais faire top 1 pour Mushway. En tout cas, je vais tout donner pour Mushway. Enfin, t'as intérêt parce qu'en plus, actuellement, c'est ex-aequo parce que tu lui as douillé à l'arrière. Qu'est-ce qui m'a pris? Bah, t'as pas regardé les règles, hein, on t'a dit, hein, la vidéo, c'est important, elle sert à ça. Ou alors, je donne clavier souris à Tixi. Hein. Il a une deuxième chance. En vrai, tu peux. Hein. Ouais, moi, je parie sur le fait qu'il gagne la game. Avec ses touches et tout, impossible. Puis si dégueulasse que ça, c'est genre vraiment. Le mec me regarde avec un dégoût. En mode, ah, mais non, mais avec ses touches à lui. Non, mais c'est foutu, ma vie, c'est de la merde. Oh, peut-être, peut-être. Vas-y, on a le temps d'en relancer une dernière. Non. Si. C'est la game de la grid. Mais si, on peut l'appeler la game de la grid et la faire, hein, mais sachez que dès le début, en appuyant sur presse, ça s'appelle la game de la grid. Attends, moi, je suis chaud pour une petite dernière, quand même, Doug. Là. Ouais. Vas-y, vas-y, lance. Là, j'ai représenté 0 là. Il y avait 15 kills validés. Ah, un kill près. Et on est sur une fois 3, donc ça fait 45€ et c'est pour Etika. C'est encore Mushway qui doit payer en plus. Mais c'est à cause de toi, ça, franchement. Il y a du monde partout, hein. Ignoré. Ça me fait peur quand tu lâches clavier souris des mains, j'ai l'impression que t'es mort. Ouais. Non, non, non. Mais j'avoue, t'as 10 000 bracelets autour de la. Ouais, c'est grave chiant. Tout pour jouer. Enlève. Mais tu peux pas, parce qu'après ce temps, tu dois les redemander. Donc. Ah oui, c'est pour PGW. C'est dur, hein. Waouh, y'a un mec sur moi. Oh oui, d'accord, mais vous. Vous sauvez le soldat Gotha. Derrière toi. C'est un Gotha, toi. Derrière toi aussi, Mushway, il y avait un mec. Ça sert plus à rien de voter, les gens, c'est fini. Il me rend câliné, lui. Ok, c'est toi, tu m'as fait peur. Vers le garden, il y a pas mal de gens. Ah ouais, devant moi. Ok, on est 3. Je suis avec toi, Tixi. Moi, je suis avec toi. Ouais. Derrière toi, il y a un mec à sauter. Je sais pas s'il est seul. Je suis mort. Ah oui, d'accord. Ouais, compliqué. Non, je veux sauver Tixi. Il a un HP, il a un HP derrière toi, il a un HP derrière toi, il a un HP derrière toi, il a un HP, un HP, un HP. Bah, c'est un HP trop gros. Ah, laisse tomber. Attends, on a combien? En plus, on finit juste à temps, quoi. Moi, eh, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. C'était 7 vraiment kills. Pour vous donner un peu plus de thunes, quoi. 21 euros, juste, mon petit doigt. Juste pour. T'as vraiment j'adore. De la chatte que je suis fatigué, que je remarque pas ce genre de truc et que la sentence elle fait mal. Pourquoi c'est moi qui. Pourquoi je suis pas un gars? Bon, la fin du Master Kill, on a pas trop perf en soi, mais sinon au début c'était cool. On a vu un peu un Tixi show. Moi 0. C'est vrai que là, mais chouette, t'as pas. Mais bien, c'est pas ton setup. 60 Hz depuis le début. Ah! Je full lag, vraiment, c'est une catastrophe vraiment. Bon, si, je sais pas, je comprends en... pas. Parce que en fait, en plein écran fenêtré, j'ai ma res, mais c'est du 60 Hz. Et en plein écran 1900x1080, c'est un peu plus fluide. Non, mais t'es, c'est pas du 140. T'es venu saboter le setup. Oh, les gars, toi, je suis en 240 chez moi. Pour certains, pour ceux qui savent pas, genre vraiment, quand t'es habitué au 144 Hz, lui c'est encore pire, lui il a habitué 240, c'est horrible. Parce que t'as l'impression, déjà même ta sensibilité change. Ça saccade et ma sensibilité change. C'est exactement ça. Ouais. J'essaye de viser les mecs, ça j'ai va l'impression trop vite. Que je suis complètement perdu. Ouais. Et c'est cool, déjà que t'es passé le cap du. Tu t'en plains pas. Enfin, tu pas subis ni, genre. Je vais pas fumer le stream pour ma personne. Oh là là. Même... Il a mûri, Mushway. Je suis quelqu'un de respectable maintenant. Regardez ce nouveau Mushway, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, putain. En tout cas, les gars, merci parce qu'on est obligé du coup de clôturer ce Master Kill. Il est 22h tout pile, pile à l'heure, comme l'a dit Gotaga. Est-ce qu'on peut faire un petit point au niveau des comptes? Je crois que Tixi, t'es à 0. C'est ça. Gotha, tu es à 0 aussi. Ouais, je suis à 0. Je crois, donc c'est uniquement Mushway et moi-même qui devons payer 55€ pour Mushway. Et moi, combien? 99. Ouais. On va essayer de se rattraper au Royal Rumble, personnellement. Ouais. En vrai, non, c'était bien cool, c'était bien sympa. Après, c'est un peu dommage qu'on sait qu'on est genre des limites de temps, contrairement à d'habitude où on peut faire. Mais là, du coup, comme je il a dit, Doug, il y a les événements, il y a Paragames, etc. Là, il y a d'autres trucs ce soir. Moi, je reviens tout juste. J'ai passé 28 heures d'avion là en quelques jours, c'était bien chiant. Oui. Donc, je pense que vous pouvez comprendre. Et puis, malgré ça, c'était quand même bien sympa. Si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est ce qu'on vous demande. C'est le principal. Suivez moi, à fond hâte la Gotaga Corp.